Et nous sommes partis dans les abysses de cristal. Est-ce qu'on va voir le Nergigante? Tu sais, on nous parle du Nergigante, à part si Nergigante par là, mais on attend de le voir. Hein. Oh. Parce qu'il a une odeur particulière? Particulier? Non, c'est particulière. C'est une odeur. Les particuliers, genre c'est un Nergigante ou une Nergigante? Bon, en tout cas, il y a un calme olympien ici. J'ai envie de tout ramasser ce qui brille là. Oh lolo, c'est quoi ça? Affrontons-le. C'est l'heure de la baston! Bon, 100% c'est technique tout ça là. Tiens, vas-y, danse. J'ai pas vu ce qu'il a fait comme attaque. À utiliser anti-affliction. Anti-affliction. Oh là ! Y'a tout le monde qui veut mon huc là ? Très bien. Vous voulez mon huc ? Pani Pro, comme on dit. Contre les stockades dans vos chicots. Ok, il est rapide. Et les autres sont techniques. Oh ouais, lui il fait pas dans le DD quoi. Hop, ça c'est mort. Merci Pouké Pouké d'être aussi génial. Alors, on va ressortir le marteau là. Enfin, c'est un skin de hache, mais c'est un marteau. Ah, il craint l'épée. Putain, fait chier. J'étais sûr à 1 000 000% qu'il craindrait le marteau, vu la carapace. Ah ouais. Bah, je vais ressortir l'épée, hein. Oh putain, les dégâts ne s'affichent pas. Ça, c'est un bug de la version PC. Pour les trash combats, on va les mettre en x2. Il est vraiment énervé, reste sur tes gardes. Contre Estocade, hein. Il est force. Oh, Pouké est dead. Alors, hop. Enfin, une attaque combinée là. Désolé, j'ai la gorge un petit peu prise. J'irai me chercher une bouteille d'eau après. Ok, bon, les pattes. C'est dead. Allez, Tigrex. Faut lui bouler l'estomac, là.
Pour les pattes, non. Alors, est-ce que c'est un arc? Ah, il est plus énervé. Ok, peut-être passer technique. Vitesse, pardon. Moi, technique. Ah bah c'est le marteau, là. Oh bah c'est parfait. Un petit duel, focus-moi. Et voilà. Ça meurt. Alors, il y a un petit coffre. Vie grand. Ok. Ah ouais, c'est vrai que j'ai un nouvel acrobate. Mega potion. En tout cas, on nous prépare bien. Hein. Est-ce que j'ai un truc qui me rend des cœurs? Ouais. Parce que là, c'était un petit peu... Bon, lui, on l'a affronté. On va pouvoir le skip. Voilà, on skip. Non. Oh non, faut un bec. Vas-y, là! Ça, c'est chiant! Genre, j'ai un truc, c'est un Gravios, là. À quel moment le Gravios, il peut pas casser des cailloux, quoi. Ça, c'est assez relou. Faut avoir un vieux monstre à bec, là. Bon, j'ai un âge lave. Bon, il fait chaud. On part sur une brume fraîche. Voilà. Je me demande si le combat va être épique. Est-ce que je vais fail? Est-ce que ça va être beau gosse? Tant de questions qui restent sans réponse. Lui, j'ai déjà affronté. En fait, c'est par là. J'étais complètement sur le bon chemin. Mais la map, si on pouvait... Franchement, si on aurait pu la dézoomer genre un tout petit peu. Plus. Ah oui, putain, les dégâts. Alors. Faut que j'aille là, faut que je me mette en plein écran. Voilà, changé. Je suis en plein écran. Et que je repasse en sans bordure. Win, voilà, c'est juste ça. C'est débile. Mais c'est comme ça. Ah, le jeu ne veut pas s'afficher. Le jeu ne veut plus s'afficher. Ah, bravo. Acheter
Acheter des jeux, des portages Switch sur PC. Achetez-les. Quitter sans sauvegarder. Bah. J'ai pas trop le choix. Bon, attendez. Hop. Le jeu a complètement planté. Gestionnaire des tâches. Monster Hunter. Fin de tâche. Arrête-toi! C'est bon. Jouez. J'espère que j'ai une sauvegarde. J'espère que j'ai une sauvegarde automatique. Quel enfer. On va prendre celui-là, hein. On va voir si ça m'a chargé. Enfin, faut que je refresh le Elgato. Aïe aïe aïe. Alors attendez. Où est-ce qu'il est le... Vidéo, capture, device. Hop, sortie, bureau. Hop. Voilà. Ouais. Est-ce que ça a bien fait ce qu'il faut? Putain, ça veut dire qu'il faut que je rebute un crabe. Bon, on va refaire le combat contre lui, là. Est-ce que les dégâts s'affichent? Je prends mon marteau. C'est bon, les dégâts s'affichent. Non, non, j'aurais juste perdu un combat. Ah, on recommence. Prends ça, construire. Non, mais il y a surtout qu'il n'y avait pas ce problème en fait. Ils ont sorti un patch. Et ils font un patch qui crée des problèmes. Genre un patch censé les résoudre les problèmes. Entre ça et Resident Evil 8 là avec la protection des niveaux, ça va, en ce moment ils les collectionnent Ubi, alors qu'en vrai d'habitude ils sont plutôt ok sur même très bons sur les jeux PC quoi. Mais ce n'est pas le sujet. Il est quoi, on avait dit. Il est vitesse, donc il faut que j'invoque Pouké Pouké. Bon, au moins on sait que les dégâts fonctionnent. C'est le plus important. Moi je focus les pattes. Chacun focus ce qu'il veut. Moi je suis avec ma hache. Bon, j'aimerais bien qu'il m'attaque moi, voilà, merci. Je dois gagner des duels là avec ma hache. Voilà. Deuxième stack. Si je pouvais avoir un troisième stack, ça me ferait plaisir. Comme ça, je lui balance un coup. Même lui, il serait choqué. Oh bah c'est parfait. Là, il passe vitesse. Et il passe force. Donc, faut que j'invoque un vitesse. Oui, oui. C'est parti, Tigrex. Voilà, le petit dodge. Et j'ai ma troisième stack. Dis donc. Talent. Alors là, avec un peu de chance, on va one-shot sa patte. On va one-shot, on va finir sa patte. Oh lolo! Tant de violence!
Ah, cette hache, elle est vraiment, vraiment violente. Ah, c'est un marteau, mais voilà, il a un skin de hache. Voilà, boum. Il est temps de changer d'arme. Il est encore énervé. Oh là 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 là, les critiques! J'avoue, quand tu crites là-dessus. Quel plaisir! Hein. Il me semble que son estomac c'était. C'était lance. Lance ou épée? C'était pas marteau en tout cas. Je crois que c'est. Je crois que c'est arc. Je vais voir. Ouais, c'est ça. Et les dégâts que je fais avec l'arc. Ah merde, putain, il est repassé. On va invoquer Asta. Astalos. Et ouais, let's go, bro. Est-ce qu'il va le finir? Il va peut-être le finir avec son tranchage. Oh, il m'a méga pote. Fois 402, quoi. À mourir là. Je me disais, on va lui découper tout son corps avant qu'il meure. Voilà, comme ça on a des compos de d'autres monstres. Comme ça je me dirais pas, putain, c'est quel monstre ce truc. Je saurais que c'est exactement celui là bon, on va prendre le Pouké Pouké. On va récupérer les coffres que l'on a récupérés. Vigé. En vrai, c'est pas mal ça, mais le truc c'est que. En fait. Faudrait que je fasse le spell qui me rend des PV parce que je perds pas beaucoup de PV, genre sur ce fight là. Et je pense que si j'avais eu mes PV au max, j'aurais fait encore plus de dégâts. Vu que j'ai un truc qui augmente ma. Mon attaque, ma défense et ma vitesse quand mes PV sont au max. Mais est-ce que c'est. Parce que ça, c'est pas... je trouve que c'est pas très bien décrit. Est-ce que c'est uniquement quand je suis full vie ou plus je suis full vie, plus j'ai de stats? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ou alors est-ce que ça marche en mode... ça marche uniquement quand je suis à 100% de PV ou alors ça marche... bah genre si je suis à 100% de PV, j'ai 100% de boost. Si je suis à 90% PV, j'ai 90% de boost. Je trouve que c'est pas très clair. Déjà qu'il y a des problèmes de trad au niveau des œufs. Genre, ah, fais gaffe, ça pue. Et quand tu vas... Et quand tu vas pour faire éclore le truc, ça met oh il a une bonne odeur. Alors, il a une bonne odeur ou ça pue? Donc je me dis à tout moment, là pareil, ça a dû être traduit par des soit des paresseux ou soit c'est très bien expliqué, mais voilà, ils auraient dû apporter, je pense, une petite précision à ce niveau-là. Moi je pars du principe que ça m'étonnerait que ce soit quelque chose qui soit en mode. Bah... uniquement quand t'es full vie. Mais bon, on sait jamais. Au pire, faudrait que j'utilise mon spell d'encouragement pour me rendre... des PV en fait. Ça va, elle est bonne, tu peux y aller.
Nutriments défense. Il y a un petit rugissement pour un gros monstre. Mon Pouquet, il est plus impressionnant que ça. Petite tanière de monstre rare, là. C'est vrai que n'importe quel monstre peut marcher sur le pattern rouge. Bon, ils sont sûrs que c'est le nerf gigante. Putain, mon Pouquet il brûle parce qu'il a marché là-dessus. Oh l'enfer! Peut marcher, mais mieux vaut éviter. Oh là, il y a une tanière rare. Ah, il y a un Tigrex berserker. Je pense que là, ça va être la salle du boss. Ça, c'est le petit checkpoint avant le combat. Je vais quand même soigner les 2 PV qui me manquent. Potion secrète. Merci de me guérir, petit chat. Je prendrai soin de moi, merci. Allons-y! Est-ce que j'aurais pas dû faire une armure anti-feu? Écoutez, on va bien voir. Et si je vois que c'est la galère et qu'on est mort comme du caca, eh ben je ferai une armure anti-feu. Waouh. J'aurais peut-être dû sauvegarder. Ça aurait été un move intelligent. Donc c'est quoi un nerf gigante alors? Oh là, il a des cornes, il a des ailes. Pas enragé encore, hein. Ok, il va m'attaquer. Moi, je propose de faire une contre-estocade. Attaque technique. Ok, donc faut que j'appelle mon Rattal. L'électricité. T'as quand même une bonne défense. Ah.
Le. C'est sur les ailes. Oh putain, il fait une attaque force. Faut se calmer, monsieur Nergigante. Est-ce que je tente un dodge ? Taille dévastatrice. Quoi, il a encore changé? Aïe. Ouh. Mon tigre, il est mort comme un caca. Et moi, je veux bien casser ses pointes, mais on a tous un focus différent là, ça pète les couilles. Où les dégâts? Hop, j'essaie de stacker mon ult. Aïe.
Partie détruite. Focus la tête. Allez, 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 on casse, on casse. Yo Willy Drain, comment est Stein la casse ça? Il est vraiment énervé. Allez. Est-ce que j'ai un objet qui peut augmenter la défense de tout le monde d'un coup là? Oh, je pensais que ça allait faire un truc mieux que ça. Et la tête, fais péter la tête! Oui! Il était rapide? Je crois qu'il est en mode rapide là. I'm not sure. Ouais, il est en mode rapide. Oh, les pattes, c'est pas ça. Non! Wow! De dégâts qui m'inflige. Avec un peu de chance. Allez, avec un peu de chance, c'est ça. C'est la petite hache. Si c'est la petite hache, ça me ferait plaisir. C'est-à-dire que j'aurais une stack. C'est pas la hache. Je tente le dodge. Oh, c'est risqué hein. Allez je tente le tout pour le tout. Ça me fait une deuxième stack. Allez les pattes. Oui. Oui. Marteau météore. Oula! Allez vas-y hein. Éjacule sur tout le monde avec ton poison. Oh là 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 là. Oh il méritait de rester à terre au moins deux tours. Allez, Pookie Pookie! Voilà! En selle! Tu vas mourir! Est-ce qu'on peut l'avoir en monture? Le nerf gigante. En monture, est-ce qu'on peut le capturer? Hop, on va redodge. Hein. Ah non, fait chier. Ah, c'est bon. Oh là, niveau 3. On va dodge son tour. Vous ne taperez pas. Ah d'accord, on peut en avoir un, ça c'est cool. Bon, vas-tu mourir? Oh, il recommence! On focus quoi alors? La tête, les ailes? On focus la tête.
Ah non, il est passé fort, j'avais pas fait gaffe. Ou je vais prendre cher. C'est bon. Pour sa focus, elle a dit pas ses forces. Non mais il est passé vitesse. Alors on casse sa tête. Voilà. Non, je suis mort. Bon allez, là faut que j'arrête de troll. Parce qu'en vrai je troll. Hein. Là je vais pas te mentir que ça me ferait bien plaisir de stacker mon marteau. Les pattes ont été entamées. Oh là 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 là, ce marteau quoi. Arrêtez de taper, t'as pas mon focus, c'est mon focus. Oh là 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 là. Non, arrêtez de focus les ailes, s'il vous plaît. Non, s'il te plaît, stop. J'ai jamais vu ça. On va voir ce que ça fait. Oh là 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 là. Oh non, il va mourir mon truc, je suis mort, game over. Et je suis mort. Oh putain, il est passé force, vite. Il veut pas crever hein. Là je suis mort je pense.
J'ai pas un talent qui me permet de... Allez, tue-le, putain! Il meurt, là, ça fait deux... Il bave, là, depuis une demi-heure! J'ai pas un truc genre augmente la défense de tous vos alliés pendant Non, y'a rien qui booste les alliés, c'est dommage. Parce que là il craint rien là. Je crois qu'il va juste me bully et c'est tout. Oh shit! Oh! Je crois qu'il me tuait là. Ouh. J'ai une de ces chances. Là, l'entaille là, elle me mettait pas bien. Pouf. Ah, je lui rassurer.離さない。
今度こそ絶対に。Merci Mathilde pour l'abonnement de Prime, merci beaucoup. Ouais, c'est mon armure, elle est plutôt pas mal. Hein. Comment vas-tu Mathilde? Quelle incroyable, quelle intense cinématique. Ami de Reine. 7. Maintenant, on peut entrer dans le sanctuaire et découvrir le reste de la légende. Et t'es là, toi! Lui, il est là! Tu n'as pas honte de me voir laisser tomber comme ça? En fait, moi, je pense que le nerf gigante, en fait, il n'était pas méchant. Je pense qu'il voulait juste empêcher les gens de venir ici à cause du gigamonstre. C'est ma théorie personnelle. Je pense qu'il était gentil. Noaté. ネルギガンテはヨロズの将にいました。撃ったのか？撃ちはしませんでした。ですが最悪に打ち払われて。最悪とは？地の底からモンスターが現れたのです。ネルギガンテが追っていたのはそのモンスターだったんです。姿を見た者がいます。そうか、アルトゥーラを見たか。オルトゥーラ、il s'appelle? アルトゥーラ、それは。C'est un peu le serpent dévoreur des mondes dans la mythologie viking. あなたは知っていたのですか？大穴の底にモンスターがいることを。古く伝わる伝承で知るのみ、それが実在するかどうかなど。この歌どこかで聞いたような。デウスの伝説にまつわる歌よ。マハナ村だけでなくここでも歌い継がれていたのね。祠に歌が記された石碑がある。何か書いてあるぞ。レウスの伝説にまつわる歌の詩だわ。これは見たことのない詩が刻まれている。これは伝説の続き。これってレウスの伝説の歌なんだよな。でもどういう意味なのかよくわからないぞ。伝説とはそういうもの。語り継がれるうちに意味が失われ、真実は薄れてゆく。照らせ。これが
ヌアテ村に伝わるレウスの伝説。ルトゥの壁画と似ている。でも下半分は初めて見るわ。天を舞う光よ、天空の使者よ、グレンの炎で滅びの定めを焼き尽くせ、茜の空が青く染まる前に。これが破滅の翼を持つレウスンなのか。まるでレウスの力で世界が焼き尽くされているように見えるな。これだとレウスはやはり破滅の翼を持って最悪をもたらすことになる。しかしすげえ迫力だぜ。En fait, ça se lit à l'envers. どうかしたの？何が見える？見えるってどういうことだ？逆さになってる。逆さに見ると、穴の底にいるアルトゥーラが破滅をもたらしているように見えるわ。そういうことか。Oui, c'est à l'envers. そして、レウスのグレンの炎で焼かれているように見える。レウスがアルトゥーラを倒したってことか？もしかして伝説は逆さまになって伝わったのか？ここにはただ壁画が残っているだけだ。この絵からどんな答えを導き出すかは見る者の心次第。どちらを上にしてみるかによって答えは変わってくるからな。リベレモラタロス。が青く染まる前、何を意味しているの？でもわかりません。なぜアルトゥーラは伝説に残らなかったのですか？それも定かではない。大昔レウスとの戦いの後、大穴の底に潜むアルトゥーラは姿を消した。人々はその脅威を忘れ、後世には伝説のレウスの物語だけが伝わったのかもしれない。最悪を呼ぶ破滅の翼を持つレウスがいたと。レウスにはアルトゥーラと戦う強い力が宿っている。だがその力はレウス自身の命を削るほど凄まじいもののようだ。わかるのですか？レウスの命の火が弱りゆくのを感じる。強大な力を持つがゆえに肉体にかかる負荷も相当なものなのかもしれない。そんなもしかしてだからレウスの力は不安定になったのか？レウスを案じる気持ちはわかる。だがレウスのその力はアルトゥーラを止めるのに欠くことができぬ。お前はモンスターの声を聞くことができるもの。しかとレウスの声を聞き、いたわってやることだ。俺はルルーシオンに戻る。伝説のことを諸子隊に報告しなければ。わかった。リリアに全部伝えてくれ、シュバル。あ、私たちは大穴の調査を続けましょう。レウスのことは心配だけれど、アルトゥーラを追わなければ。そうだな、戻って作戦を立てよう。あいやいやいやいや。Là, ça envoie du pâté, là. Bah, tiens, le retour de lui.ほら、来ましたよ。カイルに付きのじゃないか。カイル、ささ。どうしてここに？何かあったの？あなたたちと別れた後、大穴の調査に向かったの。そこでハンターたちから聞いた話があって。ね、カイル？どうなってるんだ、この村は。話のわからない奴らばっかりで。あなたたちのことを話したら、すぐに案内してくれたけどね。そういうところなんだよ、ここは。でもこれから変わるはずだぞ。ええ、きっとルトゥのようにね。まあいい、ハンターたちが言っていたんだ。各地で姿を消したリオレウスが大穴の光が差す方へ飛んでいったのを見たと。それは本当なの？目撃したハンターが何人もいる。なぜ光の差す方へ飛んでいったのか
守りレウスも光の方へ飛んでいった。レウスとアルトゥーラには関係があるのかも。アルトゥーラ、なんだそれは。大穴の底にいるモンスターのことよ。大穴の底に本当にいたのか。ああ、伝説のレウスが破滅をもたらすんじゃない、アルトゥーラが破滅をもたらすんだ。早いとこ大穴から引っ張り出して捕まえないと。でもどこに現れるかわからない。動きがわかればいいのだけれど。実は他にも気になることがあって、大穴からの光の色が変わってきている気がするの。どういうことなんだ。わからない。だから確かめに行かないと。大穴を調べ直そう。モンスターの動きがつかめるかもしれないぞ。そうね、急ごう。Ok. La véritable source de la destruction est révélée. Une simple chanson révèle le sens de la légende gravée sur le monument. Dans un nuage de flammes, le Rata Destructeur descendra du ciel pour empêcher Ultura de tout détruire quand il émergera de la terre. Vous connaissez enfin la vérité. Ah, et ben rendez-moi Rata avec les Black Wing. Je veux les ailes noires du Rata. Bon. Ah. Ça prend sens. Il faut aller voir trois trous. Je suis affamé comme un tigre. Non, j'en ai que deux. Alors voyons voir les nouvelles armes, armures que... Est trop classe l'armure de Nergigante. Augmente grandement l'attaque. Consommer plus de jauge d'amitié permet d'utiliser les talents à pleine puissance. Oh, augmente énormément les dégâts en duel. Et ça, c'est juste violent de ouf. Je peux la faire. Ah ouais, il y a épée bouclier, grosse épée, marteau. Oh. Ah putain, fait chier que ce soit pas celui de soin, quoi. L'arc. Non mais il y a tout. C'est grave intéressant. Bon. Allons voir les trous. Ah, et puis là, on peut farmer le Nergigante. Je ferai ça en off. Et je me ferai tout le set armure plus... armure plus le truc. Alors, bibabibabou. Sauf si on finit le jeu dans l'heure qui suit, quoi. Même si ça m'étonnerait. Ah,
info quête, il n'y a jamais les quêtes principales, c'est terrible. Canyon de Roche à Loloska. Bon, Canyon de Roche. À Loloska. Alors pour info, le Nergante est pas vraiment gentil, c'est un dragon ancien qui gère la bioénergie du monde. S'il y a trop d'énergie, il la dévore, surtout si c'est un autre dragon ancien. Ah ouais. D'accord. Merci pour cette information. Donc c'est un dragon ancien, comme lui, lui aussi c'est un dragon ancien, Astalos. Pourquoi j'ai l'impression qu'on va affronter trois fois Avinia et Frosty. Non, Astalos c'est une Wyvern World, ok. ところで、あなたたちはどうしてここに？実は、各地で大穴がどんどん増えていってるんだ。光の色もおかしくなってる。大穴の底にはモンスターがいる。この災厄も、きっとそのモンスターが原因。そう。やっぱり、モンスターが関わっていたのね。大穴から漏れる光の色が、日を増すごとに変わっている気がする。できれば、あなたたちにもこの辺りの調査に。それと、レウスから目を離さないようにね。ん？どうしてそんなこ、レウス、なんだか元気がないように見えて。そうか？俺には元気に見えるぞ。なあ、レウス。お互い調査が終わったらここに集合。ええ、お願いね。En sorte, tu vois que deux dragons anciens. Et il y en a plus à capturer, après l'histoire quoi. Bon après le truc c'est que moi je pense pas que je jouerai à Monster Hunter après le scénario principal. Sauf si vraiment, je sais qu'ils vont rajouter pas mal de trucs. Donc à moins qu'ils rajoutent vraiment un truc, un contenu assez majeur. Pourquoi pas y retourner, mais moi je suis plus intéressé par... Oh là là ! Lui c'est un monstre énervé là, non ? Vous avez vu, il avait une espèce de... Il était fâché, quoi. C'est quoi ce giga mammouth ? Total ? Qu'est-ce ? Ah, faudra que je revienne l'affronter celui-là. Quatre dragons anciens en plus, il me semble. Ok. Après, il y a quoi à faire après le jeu, puisque ils ont l'air d'avoir fait un contenu post-histoire. C'est plus du multijoueur.
cas tous les monstres ici sont grave vénères. Gardez-les. Alors pour le moment elle a la même couleur. はそんなに元気じゃねえよ。モンキー！地面が。Mais quel enfer ! よく聞け。あの状態では攻撃が通らない。ブレスを何度も測れる前にまとっている氷塊を剥がすぞ。よく知ってるな。ハンターだからよ。さあ行くぞ。Ah oh, putain de merde. Oh putain de merde. J'ai oublié ces conneries. AK-47 le retour, c'est ça. En plus j'ai une armure qui craint la glace. Fais chier. Je prends si cher. Voilà, je prends tarif. Oh, il est pas assez technique. Adieu, T-Grex.
vitesse. Oh putain, point faible glace, c'est terrible. Bon, c'est pas grave, j'appelle quand même. Jusqu'au bout dans la sauce. One shot mon monstie. Bon, on va appeler le Pouquet, hein. Pouquet, à aucun moment il... La grosse attaque là qu'il a fait, 3 diamants, à aucun moment il va falloir que j'ai un monstre qui résiste à la glace. Et une armure qui résiste à la glace. J'ai une armure qui résiste à la glace en plus. Vraiment, je fais carry par Kyle si fort. Je crois qu'il est en force là. Oh non, il est en technique, putain, j'ai déconné. J'ai déconné. Il passe du tout au tout aussi. Ouais, faudrait que j'y fasse une armure de feu. Avec une arme de feu. Il perd plus de diamants. Et c'est la mort du petit cheval. Hein.
Et il est violent avec son arc, lui, là. Adieu. Ah non, il a focus que moi. Elle est pas assez forte. On lui brise la tête. Oh putain. Alors il a plus d'armure donc il est technique. Pas crevé hein. J'avais dit qu'il était quoi. Là il devrait être technique. Voilà. Je veux pas te crever. En x2, je comprenais pas. Et là, je crois qu'il est vitesse. Ouais. Là, c'est bon. Je commence à enregistrer le pattern. Kyle, il m'a grave carré au début. Hein. Il m'a grave carré le début. Altura wa inakatta na. Demo, anata tachi ga itta toori, hikari no iro ga kawatte kiteiru. カイル。ああ、分かってる。なんだ？どうしたんだ？あんたらと合流する前に調査した大穴より色が濃くなってる。なんだって？アルトゥーラが動いているのかもしれない。あんまりのんびりしていられなさそう。次に行こう。Bon, normalement ça devrait être bon, je devrais plus tomber sur un monstre de glace. Monstre
光に反応して暴れ回ってるみたいだ。偶然ね。私も同じことを思ってた。光の色とモンスターの凶暴性は共鳴しているかもしれない。大穴の光の色が変化するとヤバいってことだな。ああ、完全に変わってしまう前に大穴のモンスターとやらを見つけてやる。あなた、モンスターのことをよく見てるのね。ハンターだからね。話は終わりだ。ここを出るぞ。私はここで。本当はあなたたちの力になりたいけど、クアン村を守れるのは私とヒョウガしかいないから。ああ、アユリアの気持ちだけもらっておくぜな、相棒。それとレウスのことだけど、やっぱり何か引っかかっているの？ええ、あなたのレウス、強硬化したモンスターと戦うほど命の光が小さくなっていってるような気がするの。強硬化したモンスターのせいでレウスの寿命が縮んでるのか？この子は自分の力を抑えながら戦っている。抑えられた力によって命が削られているように見えるの。そんな。ただこの世界を救えるのはあなたのレウスだけかもしれない。だからこそ最後までこの子を守ってあげないと。守る。あなたならできると思う。アユリア、いろいろとありがとうな。絆があなたとレウスを守ってくれるわ。Ça c'est hochement de tête, j'en peux plus. Alors, la colline de Arsgai. Et là, on va retrouver notre ami l'elfe. Bon, je reviens dans une minute. Je vous laisse la cinématique. 久しぶりね、アルマ。お久しぶりです、エナ様。みんなも元気そうでよかった。あれからレウスがどうなったのか心配していたんだ。諸子隊に捕まったり、レウスが奪われそうになったり、大変な目にあったんだぞ。でもレウスが空を飛んでくれたおかげで俺たちは無事だったんだ。さっきレウスが飛んでくるのを見た。生きることも難しそうだったあのレウスが立派に成長したんだな。私たちここへは大穴を調べるために戻ったの。最近になって大穴の光が変化してきています。大きな災害が起きる前触れではないかと村人は不安がっていて。大穴は自然現象ではない。レドが言っていたように、大穴の底にはモンスターがいた。はい、レドが言っていたことは本当だったと長老が。それを聞いたゼラード様は大穴の調査に向かわれました。そう。彼らは大穴の調査に協力してくれてるハンターのカイルとお供の月乃だ。よろしく。あ、oui, c'est vrai qu'il est allergique. 握手しないの？いえ、遠慮しておきます。ここを進んだ先に大穴がある。本当は俺も一緒に行きたいが。俺が一緒に行く。彼が一緒なら大丈夫なのか？
そうか。絆があれば大丈夫だな。Hop, ça finit en fairy tale cette histoire. Le pouvoir de l'amitié est entre nous. Hmm. Oh là, il y a des trucs volants là. Ils sont tous enragés là. Alors, du. Toucher le Jaggi. Ouh, cette esquive. Zeni. Alors. C'est pas vrai, il me course jusqu'au bout de la terre là. Et le hunter là qui est en train de se TP toutes les deux secondes, regardez. Je cours pas assez vite. La petite Raciane. Bonjour, vous êtes mignon, mais vous êtes un tout petit breton. Merci. Est-ce que c'est là ? C'est quoi ça ? Oh qu'il est gros lui. C'est un gros Ça c'est des vieux coffres. Poussière de vie. Oh my. Arrière Tigrex. Arrière. Préparez-vous au pire. Et je peux vraiment me préparer en faisant un truc que je peux combiner des bails. Je crois que j'ai plutôt pas mal. Ah, c'est devenu violet. Là, on voit bien la différence de couleur, une espèce de rouge-violet. Yo Herzer et oui, Archimio. を持ってる。近くにいるはずだ。C'est quoi un enjanat? Oh non, c'est quoi ça? Ah non, le MMO est plutôt mauvais maintenant. Hein. C'est pour ça que je suis sur FF14. Oh là! Ah ouais, Legi Salam avec ses dents là, puis oui. Salut Sylphrey, hello, c'est un Glavenus. Un Glavenus. D'accord. Il est fâché, genre, il aiguise Salam avec ses dents. Oh, il va être chaud, hein. Ça
sa queue est aussi meurtrière qu'une épée. Bah c'est ce que je vais focus en premier. C'était sûr qu'il était force. Oula. Il a limite OS mon Bon, on va essayer avec c'est une hache du contendant. Bon, déjà je gagne un duel. Pourquoi le marteau ça passe pas? C'est écrit charge boule de feu. Ah, y a rien qui passe en fait. Est-ce qu'il change de... Oh putain, ça a pas gardé ma stack. Bon, je vais essayer de suivre. Il fait force. Dommage. Putain, mais il passe vitesse. Ok. Il est force en temps normal quand il accumule de la chaleur. Il est vitesse. Ah. OS. Genre ça va, genre tranquille. Oh mais il est con, pourquoi il y a tapé force aussi là? Oh putain, il est vitesse, faut que je me prenne un technique. Toi, go! Ouais, je pense que... Bah, le truc, c'est que moi, j'avais focus la queue parce que j'avais peur de la lame. Je pense que, ouais, la tête, là, va falloir la focus très vite. Ah, bon, bah, ça ne passe pas. Kailu! Bien joué, Kailu! Kailu, tu trolls! Là, ça y est, maintenant c'est sa queue là. Donc là, il est en mode queue fâché, il est technique. Queue fâché, c'est technique. Donc faut que j'appelle mon Rathalos. Ah, oh, j'aurais dû changer. Et bon, en fait, je voulais soigner, mais je peux pas soigner et changer après. Oh là là. Kailu!
Oh, Kailu, tu veux pas te soigner en fait. Tu veux, faut que ce soit moi qui te soigne. Non mais Rathalos, d'où tu brûles en fait? Attends, est-ce que vous voulez focus un truc intéressant, c'est-à-dire sa putain de queue? Je crois qu'il est repassé en mode normal. Là il est passé force. Eh, je suis un healer, ça me casse les couilles. En plus je crame là. Bon, il est passé force. Donc s'il est passé force, faut que j'appelle un vite. Mais lui il se fait one shot, il me pète les burnes. Je vais appeler lui Zinogre. Vas-y Zinogre, montre-moi que j'ai bien fait de t'XP tout ce temps. Est-ce que j'ai une viande? Vas-y, fais un truc. Le problème, c'est que ça focus pas de partie de son corps, son truc, là. Oh putain, qu'est-ce qu'il a... Il a one-shot sa queue. Enfin, il a fini sa queue, enfin. Oh, ma queue. Qu'est-ce qu'elle a, ma queue? Oui. Maintenant, focus sa tête. Oh là 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 là, vas-y, c'est bon, là. Glavenus là. Glavenus moi ça là. Bon sang, il se relève. Ça n'aura pas duré longtemps. Tu donnes envie de l'acheter, ça me colle à une session de DLC cosmétique. Voilà. Donc si tu veux des cosmétiques, pourquoi pas. Ça crame de feu, mais il s'est pris pour un danseur. Oula 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 oula. Allez, dis-moi que tu as focus la tête. Il reste un pixel. Donc tu dis, bah, ceci tu veux des cosmétiques. L'armure cosmétique est assez jolie, c'est vraiment une espèce d'armure Rathalos trop classe. Mais bon, est-ce que ça vaut la différence de prix? Non. Surtout qu'il est pas très cher sur PC, genre je crois que le jeu je l'ai acheté sur Instant Gaming, je sais plus à combien je l'ai acheté. Core. Ah putain, il est pas assez technique maintenant. Que j'appelle Rathalos. Non, désolé. Ratata. Ouais, ça c'est 10 balles de plus pour la Deluxe, donc 10 balles pour du cosmétique. Bon, ça dépend si t'aimes vraiment les cosmétiques. Alors, est-ce que là, ça marche, ça?
Ouais, c'est marteau. Aïe, 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 aïe. Pitié, pas trop fort. Et pourquoi il me focus moi? Je suis si gentil. Après, ce qui est pas mal, c'est quand t'arriveras dans une ville, tu pourras utiliser le skin d'armure. Par exemple, si je mets une autre armure, je pourrais quand même garder le skin de cette armure, tu vois. C'est quand t'iras dans la ville des Hunters. Donc, parce qu'au début, je suis là en mode, putain, cette armure, elle est dégueulasse. Comment je fais pour avoir un skin d'armure trop stylé? Et ben voilà comment tu fais. Mais voilà, franchement, y a vraiment pas grand chose de diff, quoi. Il est passé quelque chose de spécial. Je vais faire ça. Il est passé force. Putain, mais il fait que swap là. Hop. Wouh. Alors, vitesse, j'ai quoi? Ouh. Allez-y, Nogre, je vais te soigner. Ah bah, je peux faire Ancel. Il m'attaque pas. Chakram de feu. Hop, on le tape, ça l'empêche de... On zappe son tour. Pourquoi tu fais une attaque technique? Bon, je vais voir, je vais faire attaque technique aussi comme ça. Et pourquoi j'ai fait une attaque avec mon... Je fais une attaque commune. Oh, résiste! Prouve que tu existes! C'est bon. Je crois qu'il a dû repasser à son élément de base. C'est-à-dire... technique. Et ouais, je savais. Attention, à partir du moment où il focus le monstre, il y a un bruit. Oui, top deux fois, trois fois, allez, franchement, soyons... On n'est plus à ça près. On appellera Tata. Yo Victor, ça va et toi? Est-ce que je peux faire une attaque combinée avec mon Rathalos ou alors c'est trop demandé? D'accord. Ah, le combat est un peu long, ouais. Oh oh. C'est bon. Là, il est repassé force. Oh. Putain, je me suis dit que ça allait pas être plus dur que le combat qu'on a fait avant et bon sang, quoi. Fouh. Imagine-toi choper mon sti. Oh. J'aimerais beaucoup. Salut Arkimio. Arturo, wa doko ni ichimattan da? Arturo wa doko ka eidou shite iru? Na, aibo. Sakki yori mo oana no iro ga okashiku natte nai ka? Kakuchi ni oana ga fue,
光もこの状態だ。原因がモンスターにあるなら、そいつが一層活動的になってるんだろうな。それってつまり、まずいんじゃないか。ああ、一刻も早くそいつの居場所を突き止めるぞ。アルマ、待っててくれたんだな。ああ、みんなが心配で。大穴は強硬化したモンスターがいたわ。ah, tu penses à qui? On sait déjà qui c'est, hein. そうでしたか。君、手に傷が。その傷は。イナを守った時のか？あの時のカイル。ce n'est pas lui。かっこよかったんだぞ。守った。やるべきことをやったまでだ。カイルも守られていたけどね。感謝する。さあ、ここを出るぞ。エナ様、長老に会って行かれないのですか？そうしたいけど、急がないといけないの。わかりました。ですが、レウスを奪おうとした者たちの正体も。あ、putain, je les avais oubliés aussi. Moi, j'étais trop sur le monstre là, j'avais oublié les espèces de sectes bizarres là.Yo Ardo, oh un nouveau monstre ? Alors, je sais pas si c'est un nouveau monstre. Possiblement que oui. Il s'appelle Olgura. Ou Oldura. Non, c'est Olgura, je crois. On dirait un espèce de ver des sables géant. Le grand plateau de Jalma. Où est-ce que c'est ? C'est là, à l'amour.Como, Genkika Ardosemind. Donc là, on est dans le in the desert.Il y a un gros monstre qui dort. Je pense que c'est un nouveau monstre qu'ils ont dû faire pour eux. Moi, il me rappelle un peu le serpent monde. Genre assez gros pour, pour faire la taille du monde et le détruire. Quand on est là, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça.偶然だよ、偶然。お前はあの時のちびっこハンターか。Le chibi hunter。お前たちが今一緒にいるってことは、まあそういうことだな。な？兄ちゃんはあれからどうしてたんだ？ああ、お前たちが飛んでいった後。岩場で見ただろ、ひっかき傷みたいなやつ。奇妙って、ただひっかいたような痕跡なんだろう。なあ、相棒。強硬化モンスターが増えているからだ。多くのモンスターがそこに集中したんだろう。いや、絶対縄張り争いだって。お前に何がわかる。なんだ。分かってねえな。じゃあ、なんだ。餌場でもなければ。周りにモンスターが多くいるわけでもない。暴れている。暴れてるって、もしかしてそれオルトゥーラ。ほらアルトゥーラ、大穴の底にいるモンスターのことだ。そいつを探しに大穴を回ってるってことさ。なおさら好都合だ。ちょうどこの奥にある大穴の調査を頼む。別にいいけど、俺は帰って昼寝でも。おい、lui, il est nature. 頼んだぞ。オルトゥーラ、voilà. C'est lui le monstre. Olgura, j'ai dit. Olguda, je sais plus.
J'étais complètement à côté. Hein. Non, mon Steam Runner Rathalos. Non, pas Rathalos. Le Pouquet. Putain, le Pouquet, je l'ai depuis le début. Je le kiffe trop. C'est trop un joli monstre. Alors, c'est pas le plus puissant, malheureusement. Il se fait des pop, hein, quand même sale. Hein. Mais. Il est trop classe, le Pouquet Pouquet. Et moi j'ai juste vu une de sa tête. Enfin, je sais pas si c'est sa vraie tête ou pas. Oh le tout là. Là il y a plein de monstres enragés, putain, ces espèces de poissons, poissons-pattes mutants mal formés, comme dirait Monsieur Garrison. Pour ceux qui ont la rêve de South Park. Oh là là, ah T-Rex enragé, je te rugis dessus, je te rugis dessus. Bonjour T-Grex. Au revoir T-Grex. Bah, dragon ancien, j'en ai vu un. Je me rappelle plus comment il s'appelle. Il ressemblait à quoi? À un truc giga chiant qui tapait de la glace. Voilà le Nirgigante. Le Nirgigante. Qu'est-ce qu'il était dur! J'ai failli. Franchement, j'étais à deux doigts de game over. Genre, il y a mon ad là qui a mis genre une auto-hit. Il a fait « Oh, je meurs !» Mais franchement, j'étais à... Quoi ? Un monobloss ? Mais... Il y a trop de monstres. Fuir. Non mais là, il y a un gros monstre et deux monstres standards. Genre, c'est même pas des petits ads, c'est des gros ads. Je fuis. Oh bon, j'aurais peut-être pu me battre. Mais. Je me dois de découvrir la vérité sur. Le Holtura. Moi, j'arrive pas à retenir les noms des monstres. Genre, le seul nom que je retiens, c'est Pouquet Pouquet Rathalos. Hier, j'ai appris que Rassian, c'est la femelle du Rathalos. Je me demandais pourquoi ils se ressemblaient autant. Et pourquoi, bah... Le mâle du Rathalos ne va pas sur le Rathalos, enfin bref. Vu que c'est censé être, entre guillemets, un peu la même espèce. Je retiens que Pouquet Pouquet, Rathalos, Rathian... Et T-Grex, parce que c'est assez facile à retenir. Mais pour le reste, c'est... poisson volant... caillou... grosse bête à cornes... Facochère, araignée immonde. Moi, j'avais juste envie de jouer à Monster Hunter World pour un truc, la collab avec FF14. Genre le behemoth. Apparemment, c'est un combat qui est hyper difficile. Vu que ça se joue avec un tank, un heal et deux DPS, genre vraiment à la FF. C'est ça, il y a Pikachu et les autres, exactement. Après Pokémon, je connais un petit peu vite fait. Hein. Parce que la première, la deuxième gen, on peut peut-être tirer sur la troisième, mais après... En même temps, ils ont tous des têtes cheloues là, le trousseau de clé, l'aspirateur, la goutte d'eau. Wouah ! Un Diabolos obsidienne ! Est-ce qu'on le tente ? Est-ce qu'on essaie de... Est-ce qu'on se le tape ?
Alors, je crois que lui, c'est le marteau qu'il faut. Bon, c'est une hache, mais ouvrez vos chakras, il est dans la catégorie marteau. Il est force ou technique? Eh, franchement, je dirais qu'il est... Je dirais qu'il est force. Ah, bon, bah, il fait pouvoir concentrer. Gain de force. Voilà, vu qu'il me tape comme ça, ça veut dire que je suis un caca pour lui. Bon, jusqu'au bout, j'assume. Oui! Il est force. Oulalalalalala. La Diablos noire sont toujours des femelles. Car c'est une Diablos en chaleur. D'accord. Tous les Diablos sont femelles. Et le mâle, c'est bicorne. Oh putain, c'est vrai! Est-ce que j'ai l'objet? Oui! C'est bon, il est trap. Heureusement que j'avais cet infâme objet, quoi. Tigrex. Ouais, je dirais qu'il est technique. Dans le pire des cas, je vais faire un coup de talent. Bon, je dirais qu'il est technique. Et il est agilité. Ouf. La queue, si elle craint pas les arcs, je ne comprends pas. À toi de jouer, Astalos! Il va pas tarder à mourir, je pense. Il est peut-être mort là. Rancé, j'étais éclaté. Diablos noir et 100% femelle. Ok. Mais il y a des Diablos mâles, ok. Mais non, c'est que des femelles, c'est marrant. Guérison critique. J'hésite presque à me mettre ça. Thank you.
Ça donne un peu de PV. Je sais pas si c'est fort. Muet. Qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, c'était quoi le truc là que j'ai ramassé? Rend des PV lors d'un coup critique. Ah ouais, mais... Putain, il faut les faire, hein. Voltura pourrait y être. Tenez-vous prêt. Je pense pas. T'imagines, j'aurais commencé par là, c'est-à-dire que je serais tombé directement sur Voltura. Elle est où l'embrouille? Je dirais qu'il est vitesse. Il y aura une embrouille. J'entends me dire qu'on a affronté des giga grands monstres. Là l'embrouille. Un Baselgeuse. Il paraît que c'est un des monstres les plus redoutables du monde. Ah, c'est-à-dire que le dragon ancien et le truc qu'on a affronté avant, c'est du caca à côté de ça. Nous n'en avons jamais combattu et celui-ci est enragé. Que voulez-vous faire? Pas question de faire marche arrière. Ah non, moi je veux fuir. Laissez-moi... Let me attaque vitesse. Ok. Bon, le gandrome là, il veut pas crever. Genre, il veut vraiment rester en vie et nous faire chier. Meurs! Il fait fuite, hein. Alors que je suis en train de le taper, ce bâtard. Éjaculation. Pouette. Ah
de répandre ses écailles. Écoutez, monsieur... je pense que lui, il craint le marteau. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors la tête, les ailes, la queue, l'estomac... Bon, on va commencer par la tête. Oh là 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 là. Oh, il craint la foudre. Bombardement. Oh non. On est en fléau explosion. Putain, c'est quoi? Oh là là, je crois que j'ai pas grand chose en plus. J'ai envie de pouquer, il a pas beaucoup de vie. Je vais mettre en x2 les combats. Ok. Oh! On va viser les ailes, hein. Là, il est passé technique. On va appeler Rathalos. Non mais il faut détruire toutes les parties de ton corps très très vite là. Il pourra pas faire son atterrissage de merde là.
Oh non. J'ai passé en vitesse. J'ai pas fait attention. Non, il est passé en vitesse et j'appelle un vitesse. Non, mais j'aurais dû appeler un. Oh là là, désolé. Je suis complètement bourré. Mais comment peut-il être en l'air? Alors que j'ai démonté ses ailes. Il est énervé. Il est énervé. Est-ce qu'il faut que je change de mon style? Je dirais oui. Mais pourquoi? アルトゥーラはいないのか。大穴の光、不思議な色をしている。青に近い紫ね。青？なんだっけ、どこかで聞いた気がする。青、青く染まる前に。そうか、歌だ。ヌアッテ村で聞いた歌と同じなんだ。歌？茜の空が青く染まる前に、歌の歌詞にそうあったの。もしかして歌の通りに光は青くなっていくんじゃないのか。時間がないことは分かった。すぐにここを出るぞ。湯村奈様にこの状況を伝えないと。ヌアッテ村に戻りましょう。兄ちゃん聞いてくれ。ただのモンスターじゃなくて、強硬化したバゼルギウスが乱入してきたんだ。相棒とカイルの絆で勝利したけどな。絆？おお、そうか。意外とやるな、小僧。小僧？んで、兄ちゃんは寝てたのかよ。いや、妙なライダーたちのことを調べてきた。
奴らはレウスを使ってよからぬことを企んでいるのかもな。よからぬこと？目的はレウスじゃないのか？ああ、奴らはレウスを何かに利用するつもりかもしれない。なるほど。それから？お？それから？もしかして情報はそれだけ？そうだぞ、これだけだぞ。情報が足りない。凄腕ハンターって噂は嘘？な、なんだと？ずいぶん大事なお供だな。それじゃあ私たちはここで、また何か分かったらお願い。あ、と小僧。小僧じゃない、カイルだ。カイルだ。カイルね、よかったな、仲間ができて。こう見えてこの二人結構息が合ってるんだぜ。ライダーとハンターの絆か。いいな、この世界の希望って感じだな。何、わけわかんないこと言ってんだ。俺もわかんないけどさ、こういうのもいいってことよ。気をつけて行ってこいよ。うん。La lumière irradiant des trous commence à changer de couleur, comme pour signaler l'arrivée d'une catastrophe. Le rouge se change en pourpre, qui bientôt deviendra bleu. Exactement comme dans la chanson des Nuaté. Vous devez agir vite avant que le ciel ne soit recouvert d'un bleu glacial. Ah là là! Quelle histoire, mes amis! On avance et je sais pas si on arrive bientôt vers la fin, mais... Je pense qu'on arrive doucement mais sûrement vers la fin. Dans tous les cas, moi je vais aller... Je vais pas tarder à aller manger, parce que si je continue Monster Hunter, je vais pas m'arrêter. Donc on se dit peut-être à ce soir pour la suite de ce Monster Hunter, les amis. Non, pas ce soir, il faut que je fasse un montage. Donc demain. Voilà, désolé. Donc on se retrouve demain pour la suite de ce Monster Hunter, suite et fin. Là ce sera plus tôt parce que là j'ai fait des courses cet après-midi donc j'y commence un peu tard. Mais vers... allez, on va commencer vers entre 12 et 13 si je suis motivé. Entre 12 et 13 et on fera une ligne droite jusqu'à la fin. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi. Je vous dis à la prochaine tout le monde. Prenez soin de vous. Bye bye. Ciao.